Lourde. Au moins 7 kilos. Les amis, c'est... Quelle journée? Putain, à chaque fois j'oublie les jours. C'est vendredi. C'est vendredi, les amis. Je me décale. Voilà. Et Elena va chez la nounou. Hein? Ok? D'accord, ma fille? Hop. Et nous, cet après-midi, on va rendre visite à une copine à la maternité parce qu'elle vient d'accoucher. Ouais. Et on a un rendez-vous pro aussi. Et on doit filmer la séance de fitness du dimanche. On doit filmer la séance de fitness, voilà. Et ce matin, on n'a rien filmé parce que j'étais énervé au plus haut point. Par deux choses. Par Free, qui me casse la tête de plus en plus. Parce que les connexions, ça bug, la télévision ne marche pas. Là, j'ai envoyé un courrier recommandé à Free. Je leur ai demandé qu'ils nous remboursent 4 mois okay, d'abonnement. Bon, évidemment, ils ne vont pas le faire. Hein. Ils vont faire les marchands de tapis, comme d'hab. Ils vont dire, on vous rembourse un mois ou deux, pas plus. Ça m'a énervé. Et Adobe, le logiciel, il bug. Alors qu'on paye le logiciel maintenant, hein? Ouais. Donc à tous ceux qui ont des logiciels craqués, gardez vos trucs craqués, hein. Vous emmerdez pas à payer en fait, hein. Si c'est pour avoir toujours les mêmes qui fonctionnent pas, hein. Voilà. Ouais. Mais bon, ça arrive, hein. Mais c'est pas grave, on a bien mangé. C'était l'instant coup de gueule. On a bien mangé, donc on est de meilleure humeur. Ah, on a mangé un super truc, on a mangé quoi? Des espèces de wraps. Des wraps VG de chez Kitok. C'est du bon café, parce que voilà. Moi j'étais trop énervé pour cuisiner. C'était super bon, il y avait des petits légumes dedans avec une sauce au fromage et à la menthe. C'était excellent. Oui, on va s'en aller, ma fille. On vous laisse parce que là, il faut sortir. Elle a envie de quitter la maison et d'aller chez elle sa mère. Elle va aller chez sa tata. Elle en a marre de nous. Ça y est. L'heure est venue. Le sport va bientôt commencer. Il est l'heure de filmer la séance de fitness de la semaine. Donc je suis au taquet, je suis prête. Faut pas qu'on traîne parce qu'on doit partir dans 15-20 minutes. Purée, ouais, faut qu'on se grouille, on se grouille, on se grouille. Et je suis encore en train d'essayer de modifier un truc dans ma tête. Alors pour vous dire, d'accord. On n'a jamais fini la réflexion ici. Il est où mon téléphone? Dépêche-toi. Ouais, j'ai besoin du timer. Vous avez vu, Elena est toute seule cet après-midi chez la nounou. Ouais. Des fois elles sont 4, des fois elles sont toutes seules. Mais elle non, va bien y a seule. Les deux, il y a Maxence. Ah, il y en a un qui dort. Il y en a un qui dort, mais c'est vrai. Bon, allez, on y va. Ouais. Salut tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Beres. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de fitness qui va pousser tout le corps. Ça y est, on a filmé la séance de fitness. Et maintenant, il faut qu'on aille à notre rendez-vous professionnel, les amis. Yes. Mais on vous racontera un autre jour, peut-être, ce que c'est. Allez. C'est ça. Ciao. Le rendez-vous est fini. Ouais. Direction la maternité. Ah bon, pourquoi? Tu vas accoucher? Je vais accoucher, j'ai des contractions, j'ai perdu les os. Oh. Allez, c'est parti! Ça y est, on a fait notre petit tour à la maternité. Maintenant, on va chercher Elena chez la nounou. Et on est en retard! On est en retard, mais on a traîné un peu parce que voilà, de voir un nourrisson, ça nous a fait plaisir quoi. Ouais. Mais allez, go! Parce en plus, il y a des bouchons. Oh là là là. Ah ouais, c'est l'heure des bouchons. C'est bon! On a récupéré la crevette. La crevette qui paraît tout de suite beaucoup moins petite une fois qu'on a vu un petit nourrisson. Mais c'est vrai. Bon, allez, on rentre à la maison.
Bébé fait la sieste. Ouais. La sieste nocturne. Oui. Parce qu'il est 19h30. Oui, 19h30, c'est la petite sieste du soir. Donc d'ici 30 minutes, elle va se réveiller, le bain et le dodo. Le bain, le biberon et le dodo. Ah oui, le biberon. Exactement. Ouais. Et ce soir, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta. Très important. Très, très important. On déconne pas là-dessus. On ne rigole pas là-dessus. En plus, ceux qui n'aiment pas Koh-Lanta, interdit de critiquer. Ouais, et d'ailleurs, ceux qui regardent Koh-Lanta, dites-nous si vous avez un favori. Exactement. Parce que moi, je vais vous le dire. On n'en a pas. On n'en a pas. Mais on regarde quand Franchement, même. Franchement, cette saison-là, on a Mais aucun on regarde favori. Quand Mais même. On regarde quand même. Ouais, donc ne critiquez pas. Toi qui me regardes que tu n'aimes pas Koh-Lanta, tu mets un commentaire négatif, je viens chez toi. Prêt là? Allez. Je suis prêt pour le combat. Allez. Question du jour. Bonjour. Non, c'est assez violent. Aujourd'hui les amis. Question du jour, bonjour de Mira. Mira, qui a un pseudo très long. Je ne peux même pas tout le lire, il est tellement long. Il y a au moins 6 mots dans son pseudo, je vais vous le mettre là. Mira, Mira, qui nous demande. Merci pour ta question, Mira. Allez, les amis, on se retrouve demain. On est encore sous le plaid, quoi. Ça y est, on est revenu sous le plaid. Est-ce que vous avez rallumé le chauffage chez vous? Nous, non. Parce qu'on a un peu de chance, on habite dans le sud, il fait, allez... Il fait 21, 22 Peut-être dans la nuit, il doit faire du 10-2. Il fait 20. Fait peut-être, enfin, bref. Enfin, dans la maison. Oui. Mais putain, il fait froid. Ouais. C'est pas possible, ça. Et on est le 28 avril. Je suis sûr qu'il y a des chauffages qui sont rallumés à Paris, dans le Nord, en Belgique. Ouais, c'est sûr. Triste, quand même. C'est pas normal, faudrait qu'on change de planète. Je suis sûr qu'il y a des gens à Perpignan. On va tous se barrer, on va aller. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le département qui ont. Je suis sûr à Perpignan, t'en as, ils allument le chauffage quand même. Je suis sûr. Ils s'en foutent de combien ils payent, tu sais. Non, moi j'allume, m'en fous. Le chauffage. Bon, la question. C'est pas question de sous, c'est question de morale. Non, mais question que t'allumes pas en avril. Moi, c'est question de sous et question que sinon je me pends. Ouais. Je retourne. Bon, bref, question. Donc la question c'est est-ce que dans le couple. Il y a un de nous deux qui aime plus que l'autre, parce qu'on dit que dans les couples, c'est souvent comme ça, il y en a un qui aime plus que l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit lever le doigt, ou soit pointer l'autre. T'es prête? À trois. Enfin, moi ou toi, quoi. T'es prête? Ok. Un. De quoi? On s'est pas consulté. Est-ce qui aime plus, moi ou lui? Ok. Un. Je sais pas comment faire mon geste. Deux. Ben, tu me montres là ou tu fais comme ça? Un. Deux. Trois. Moi je monte personne. Mais c'est... Ouais, t'as raison, mais non, c'est vrai. Je monte personne. Mais non, c'est vrai en plus. Mais en fait. Non, mais c'est elle parce que moi je suis un gros connard. Non. Je l'aime pas du tout. Mais en non, fait... c'est pas non, vrai. Non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais on s'aime pas l'un plus que l'autre. T'as ton eau des pattes qui boue, tu sais ça. Ça boue là? Bah, j'entends bouillir. Oh purée, je vais perdre mes. Et il est 23h30, je suis en train de me faire des pattes. On revient à suspense. Il boue, heureusement que t'étais là. Hein. Mais j'ai sauvé les pattes. Laisse tomber. Donc on disait quoi? Non, qu'on s'aime. Non, je disais, on s'aime pas plus. Il y en a pas un qui aime l'autre plus, mais on s'aime différemment. Exactement. Ouais. Exactement. Bibou, elle m'aime avec beaucoup d'amour, et moi, je l'aime avec beaucoup de rancœur et de. Arrête de dire non. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est surtout que. Mais on peut pas avoir le même amour. On n'est pas les mêmes êtres humains. On n'est pas la même personne, et on le montre pas de la même manière aussi. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on est plus démonstratif et qu'on dit plus je t'aime et qu'on dit plus mon cœur, mon amour et tout qu'on aime plus. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout dans les couples. Souvent, il y a des couples, c'est le cas où l'homme est plus renfermé. Et où la femme, elle va dire 500 000 mots dans une journée. Ouais. Et on va dire, la femme, elle est beaucoup plus démonstrative et elle aime beaucoup plus son copain, son mari. Alors que ouais, ça se trouve pas du tout. Donc voilà. Ouais, donc, voilà. C'est je pense. Ah, réagissez en commentaire. Oui, dites-nous parce que je. Commentez. Moi, je connais des couples, ça se voit clairement qu'il y en a un qui aime plus oui, l'autre. Oui. Bah, ils sont pas faits pour être ensemble. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Si ça se voit trop. Oui, si ça se voit trop. Bah, c'est mon avis. À un moment donné, il faut se poser la question, peut-être. Ah oui, ouais, c'est ça. Si tu vois que t'en as un qui galère, le galérien à ramer derrière ouais, l'autre. Ouais, et puis que l'autre, qui s'en fout. Ouais. Bah, Maria, non, c'est pas Maria. Mira, merci pour ta question. Merci pour ta question. Merci les amis à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mm-hmm. Hein ouais. Parce que ici s'achève ce vlog. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouais. Et même si vous l'avez pas apprécié, mettez le pouce bleu. Non mais vous seriez pas là si vous l'avez pas apprécié. Oui voilà. Commentez. Parce que si vous avez pas apprécié et que vous êtes encore là, bravo. Vous êtes un peu masochiste. Bravo. Mais si vous êtes encore donc, là, bravo, partagez. Et mettez un pouce. Partagez sans modération comme d'habitude. Et on vous dit à demain les gars. Pour un nouveau vlog.